Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne, nouvelle vidéo unboxing, donc la Z-Box du mois d'octobre. Je sais, on est en novembre, elle est arrivée tard et j'ai pas eu le temps de la faire avant. On ouvre tout ça. Alors le thème c'est robotique, si je me trompe pas. Donc comme d'habitude, eh bien à l'aveugle. Donc c'est parti. Ça c'est fait. Pas grand chose là-dedans. Hein. Un petit truc pour commencer. Bon. Robotique, non. Ça va être de celle du mois d'octobre. C'est quoi le thème de celle du mois de. Non. Non, robotique, c'est novembre alors. Parce que ça. Bon, bref, je vous le montre. Button badge. Donc, c'est des petits badges. Voilà, donc. Moi, je vous ferai un gros plan dessus. Hein. C'est sur le thème de ça. Donc, il faudra que j'aille vérifier ce que c'est le thème en fait de la Z-Box d'octobre. Hein. Parce que ça, on dirait plus le thème de. Ouais, c'est un thème d'horreur, ça n'a rien à voir avec la robotique. Hein. Voilà, par exemple, bon, bref, bon, des petits badges. Hein. Il n'y a vraiment rien là-dedans. Hein. Ah, la pièce, The Sink. Donc ça c'est du Stephen King, si je me trompe pas. Bon, pièce en argent. Le titre me dit quelque chose, mais le film, j'arrive plus à me rappeler maintenant. Est-ce que je l'ai vu ou pas? Bon, la pièce en argent, un collector. Bon, je vais faire ça vite fait. Hein. Trois trucs là-dedans. Hein. Voilà. Capcom Dead Rising 4. Alors, donc Capcom, donc jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un petit étui. Siglé Dead Rising 4. Accroché pour le mettre à la ceinture. Ouais, excellent. Petit frère de ça. Ah, ça c'est excellent. Ça maintenant, ça j'apprécie quoi. C'est là. Pince, voilà la pince multi-outil. Voilà, c'est le principe du couteau suisse, mais avec une pince. Ah, ok, donc il y a une lampe de poche. Bon, je sais même pas comment elle s'allume. Ah, si, il faut tourner. Donc, une lampe de poche. Tournevis plat, il doit y avoir le cruciforme quelque part, oui. Le cruciforme, donc la lime et un décapsuleur. Du métal. Et c'est griffé Frank West.
Et made in China. Bon, c'est pas grave. Ça, franchement, ça c'est pas mal avec l'étui en plus. Hein. Ça risque de traîner sur la table. Ah, mais il manque un truc. Hein? Ah, il manque la lame. Il n'y a pas de couteau là-dedans. A pas le couteau. Donc bah je continue à réutiliser celle-là. Bon, pour une fois, voilà, un truc. Voilà, c'est quand même pratique, utile. Petite passe multifonction. Je crois qu'il reste deux trucs là-dedans. Hein. Parce que... Ah, il y a le magazine, je crois, au fond. Ah non, c'est pas le magazine, c'est un comics, apparemment Stranger Things. Alors c'est en anglais. Un petit comics Stranger Things. Dommage que ce soit en anglais. Ah donc à mon avis ça doit être un thème d'horreur ou quelque chose comme ça hein, vu les objets. Hein. Ah donc la pop Lobster Johnson. Ah ouais ok. La licence Hellboy. Donc c'est la quatrième de la série, il y en a 6 de dispo. Ah bon, oui, bon. C'est peut-être pas forcément ma préférée. Hein. J'aurais bien aimé avoir bah, carrément Hellboy. Hein. Bon. Et enfin, oula. Voilà. Pour une fois, un t-shirt blanc. Hein. Donc, The Wolfman. Donc, le loup-garou. Hein. En impression édition 3D. Donc, là, faudrait que je le teste si j'arrive à dénicher des lunettes 3D, là, rouge et bleu. Je sais pas si j'ai encore un truc comme ça qui traîne quelque part. Hein. Voir si on voit effectivement l'effet 3D. Bon, j'ai quand même ma doute. Hein. Bon, c'est pas le genre de t-shirt qu'on peut mettre tous les jours non plus, hein, malheureusement. Hein. Même si voilà, il est de qualité et tout. Conclusion de la Z-Box du mois d'octobre, donc je pense que le thème c'est un peu bah voilà, horreur, quelque chose dans le style. Le t-shirt, bon, c'est un grand classique, donc j'aime bien l'originalité de l'impression effet 3D, mais c'est pas à porter tous les jours, malheureusement. Ça, bof. La pièce, bon, c'est toujours cool d'avoir les pièces. Hein. La pop, bon, elle est bien réalisée, machin. C'est juste pas le perso qui marque le plus hein, de Hellboy. Hein. Ça, c'est cool, dommage que ce soit en anglais. Bon, j'essaierai quand même de le lire, hein. Mon anglais, il est pourri, mais bon. Ça va, les bulles, c'est pas trop incompréhensible. Hein. Oui, ça va. Ça devrait être possible de le lire, quoi. Pire des cas, bah, on regarde les images. Hein.
Bon, le truc le plus cool, c'est celui-là quand même, le la pince, hein. Bon, alors un peu moyen, hein. Voilà, c'est. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire en fait sur cette box, hein. Je vais pas m'éterniser. Hein. J'ai un peu mal à la gorge. Bah, dites-moi en commentaire, voilà ce que vous pensez de la box. Hein. J'attends une nouvelle box bah, qui était prévue pour le mois d'octobre, qui est toujours pas arrivée. Et bah, dès que je l'ai, bah, je vous ferai un unboxing. Hein. Puis on verra ce que ça vaut. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!